Technology is a greedy bastard. It wants all of us our eyes, our ears, our wallets. It wants our minds, but it's up to us what we give it. And as paradoxical as this may seem, I want us to give technology our hearts and to require heart from technology in response. To my mind, there is no technology without people, and there are no people without technology. It's a socio technical system and a kind of a tight dance. If we insist that technology take into account our hearts, then we can have a technology that encourages us to be empathetic, that encourages social interactions between people, that encourages our building of. confiance in one another, our building of empathy for one another. Technology can do that for us and it's up to us to give that to it. Mon objet technologique fétiche en ce moment, c'est mon Google Nest. Je cuisine beaucoup, carrément tout le temps, je fais des ferments, je fais des, des petits plats et le Google Nest est mon sous-chef. Par exemple, quand j'ai les mains pleines à la pâte, je peux demander au Google uh, "Ok Google, what is 450 degrees Fahrenheit in centigrade 450 degrees Fahrenheit is 232.222 degrees Celsius. Très utile. Ou même "Ok Google, pendant combien de temps faut-il retirer un poulet le site cuisineaz.com contient l'information suivante. Pour qu'un poulet puisse cuire de manière optimale, il est indispensable de le sortir du réfrigérateur une heure minimum avant de l'enfourner. Alors, un, un objet technologique comme ça, qui a tous les renseignements possibles et qui peut me les servir euh, quand j'ai les mains sales, quand je suis de l'autre côté de la cuisine, c'est formidable pour quelqu'un comme moi qui aime cuisiner et qui aime également la technologie. L'œuvre culturelle qui m'a le plus marqué, bah c'est difficile, j'ai regardé beaucoup d'opéras, beaucoup de pièces en ligne, de la danse, et en fait, ce que j'ai le plus regardé, c'est les séries Netflix, Lupin, Emily in Paris et Sexify. Et Sexify m'a marqué. C'est l'histoire d'une jeune femme qui veut gagner un concours de technologie. Elle est misanthrope, si on peut dire. Elle n'aime pas les autres personnes, ni moins les hommes. Elle n'aime personne. Euh, mais elle veut gagner et elle se rend compte que tout le monde parle de sexe tout le temps et qu'elle va faire un appli, donc, qui euh, permet à toute femme euh, d'avoir un orgasme. C'est étonnant. Elle et ses deux copines explorent la sexualité féminine, les, la place des femmes dans les sciences et surtout le rôle de la technologie dans la société. Je, je l'aime bien, je, ça m'a marqué.